what's at stake. I am 100 years old.
I am all children. I have issues without your age. It's you. Thank you.
Merci beaucoup. Et bonsoir. Bonsoir. On est très très content d'être là avec vous ce soir. On travaille ici depuis presque une semaine pour créer cet spectacle qu'on va jouer pour vous ce soir. Et cet spectacle, il s'appelle Mareld. Et ça, c'est un mot suédoise qui veut dire le bioluminescence. Et c'est le plancton qui habite dans la mer, dans l'eau, et qui s'allume, qui devient lumineux dans la nuit parfois. Voilà. Et je viens de Suède, pareil comme Linda Ola. Akemi Fujimori. Julien Loutelier de Le Mans. Nicolas Charlier, Belgique. Héloïse Divili, La Réunion. Et Islande, non. Irlande. Gauthier Tux de Suisse. Gianni Casarotto, Italia. Donc c'est le European Union ici ce soir. On va continuer avec un morceau qui s'appelle Vulture and Cannibal. Et c'est un morceau. Non. Ah oui. Ça parle des gens suédois. Il y a d'autres Suédoises ici dans la salle, à part de Paul Jarret qui est moitié. Non, d'autres Suédoises. On non, est tous vous, suédois vous avez juste dans l'âme, chaud. N'est-ce pas? Oui. Oui. Si. Le prochain morceau, il s'appelle Vulture Cannibal. Et c'est un morceau que j'écris en peur pour tout. Parfois, l'humanité, on peut être vraiment cruel. Donc, c'est un morceau qui parle de cette partie qui est en nous. J'arrive pas à expliquer très précisément en français, mais voilà. Cruelité. Everybody together.
precise instruments, picking in some open flesh. Not waiting, the judge's answers, a sweet illusion in a myriad of dancers. Cause you're a vulture, you're a cannibal. You're a vulture, you're a cannibal.
Merci beaucoup. Comment ça va vous? Bien. Vous avez un peu chaud, non? Ouais, on a tous chaud. Alors, j'ai une petite surprise. Parce que je disais qu'on n'était que deux Suédoises, mais en fait, on est trois. Et j'aimerais présenter quelqu'un qui est très important pour moi. On se rencontrait à Göteborg, en Suède, il y a 15 ans. On commençait le même cours de chant. Dans une école. Et on a chanté ensemble depuis. Et c'est Hanna Tolf qui est là avec nous. Il y a une innovation suédoise ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est assez épique. On va jouer un morceau qui s'appelle Six Feet Under. Et c'est un morceau que j'ai écrit pour mon grand-père, Carl Oscar. C'était quelqu'un de très curieux jusqu'à la fin de sa vie. Quand il avait 95 ans, il a déménagé dans sa nouvelle maison à la retraite. Une EHPAD. EHPAD ? Oui. Et il a tombé amoureux à sa voisine. C'est pour dire qu'on n'arrête jamais de tomber amoureux. C'est quelque chose qui reste avec nous jusqu'à la fin. Voilà, Six Feet Under. Your heart, oh, 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 oh.
on my courage and abandon my skin. I've sung to my own requiem, my delirium within. And then the irregular becomes a catharsis. You're 6 feet under my feet. No scenery for a new utopia. No height is up between your dreams. Silence, oh, 6 feet under my feet.
Mesdames et messieurs, ensemble, vocale Saint-Quentin, Yveline. C'est avec un énorme, énorme plaisir de travailler avec vous. C'est assez puissant, ça. Cultures. C'est un morceau qui parle de les guerres qui est actuelle en ce moment avec l'Ukraine. Coming up from the shadows. Ooh.
warmth within. I buried it down to keep it to myself. You came out of the witch on a golden ship, tamed by the earth.
Merci beaucoup. Oh,
Combien de personnes ici a un chat ou un chien? Oui, ah. Pas mal. Ou un serpent? Non? Non, c'était le plus obscur que je pouvais trouver. Si, il y a des branches, il y a des animaux comme ça. Qui est des... Hein? Oui. Il y a quelqu'un qui a ça? Non. Mais on a beaucoup de chiens et de chats. Et c'est des... C'est pas des personnes, c'est des animaux qui deviennent très importants. Et moi, j'ai eu un chat qui s'appelait... que je nommais après Johnny Cash. Et cet morceau est pour lui. Thank you.
but there's not you have gone to a place you would have shown the sunset and I will join.